Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu très 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 attendu par beaucoup de joueurs, à savoir Call of Duty Mobile. Alors ce jeu, il est tout bonnement énorme. Je l'ai testé un petit peu en amont. J'ai fait deux parties pour voir un peu ce que ça valait au niveau de la maniabilité et de la jouabilité. C'est un jeu de dingue. Moi, j'y joue sur, comme support, j'y joue sur iPad. C'est tout bonnement dingue. Je vous invite vraiment à le télécharger et à le tester. Et clairement, ce jeu, je comprends pourquoi tout le monde teste et tout le monde en est dingue et qu'il a des si bonnes notes de test. Ce jeu est sorti depuis quelques temps déjà, quelques semaines dans d'autres régions. Je crois que c'est en Australie, on pouvait jouer via VPN. Et à présent, il est disponible depuis un peu moins d'une semaine partout. Je vous invite vraiment à le télécharger et à le tester. Parce que là, vous allez voir clairement, si vous aimez les FPS, c'est un jeu qui est très bien fait. Alors évidemment, là, on lance, il me propose des packs parce que je viens de me reconnecter. Je suis en mode saison 1, j'ai fait deux matchs plus le tuto. Alors le tuto, c'est assez simple au niveau de la maniabilité. Vous avez deux modes, soit simple, donc dès que vous visez, ça tire, ou soit faut appuyer pour tirer. Avec la main gauche, vous déplacez le joueur, avec la main droite, vous déplacez sa tête, le visage, et puis vous tirez dès que votre curseur passe sur une cible en mode simple. Et en mode avancé, il faut appuyer en plus sur le petit icône de tir. Au niveau du jeu, on est classique, on a des systèmes de packs qu'on peut acheter avec des CP, parce que des crédits, des points codes. Et en plus, vous pouvez les acheter ces codes avec des packs qui vont de 1,09€ à 109,99€. Pour nous, Européens, qui avons un taux de change en notre défaveur, enfin un taux de change réel en notre faveur, mais pour Apple, un taux de change en notre défaveur. Donc, ce jeu. On va aller tout de suite dans le vif du sujet, je vais pas vous faire attendre, on va partir en multijoueur et on va voir ce que ça vaut. Vous voyez, je suis niveau 4, j'ai pas rejoint encore de clan. Je vais bien évidemment le faire rapidement puisque pour voir un peu ce qui se fait. Il y a un système d'équipement, vous voyez, je peux aller dans mes équipements. Par exemple, là j'ai acheté une MA4, je vais sur ma MA4, je peux l'améliorer, j'acquire des points et des cartes. Et vous voyez avec une carte d'arme que j'ai eue, tac. Je l'améliore, je peux aussi acheter des items, vous voyez, pour augmenter la vitesse de recharge. Je peux acheter un viseur laser FA pour augmenter la précision, etc., etc. Sachant que j'ai déjà un viseur, donc je ne vais pas acquérir celui-là. Donc moi, je garde cette arme en principale, un M4. J'aime bien jouer. J'ai aussi obtenu une grenade, donc j'ai une grenade aussi maintenant. On l'a pas au tout début du jeu. Il y a plusieurs modes, ligne de front, match à mort par équipe ou entraînement comme IA. Contre l'IA, pardon, pour s'entraîner. On part en ligne de front, comme ça on est contre d'autres joueurs et c'est parti, c'est le début. On part direct, je vais dans le vif du sujet, vous allez pouvoir voir ce jeu, c'est un jeu de dingue. Hop, on va baisser le son pour pas que ça interfère et puis on attend d'autres joueurs. Allez, attendre d'un autre joueur, il n'est pas connecté. Vous voyez là, avec la main gauche, je bouge. Avec la main droite, je bouge la tête. Le corps, la tête et le viseur. Ah, il y a un joueur qui a des problèmes de connexion là, apparemment. C'est parti. Je sélectionne. Vous voyez, on peut avoir plusieurs confs. Moi, j'ai celle avec le snipe et cette standard. On a un temps limité pour choisir. Je prends ma conf de base, ma conf numéro 1. Vous voyez, j'ai acquis en plus du M4 un petit pointeur laser. Et on est parti. On va voir. Vous allez pouvoir voir ce que ça vaut. C'est un truc de dingue. Hop, allez, vas-y. On y va. Tac. Ah, cette map est toute petite, je la connais pas. J'ai joué que sur deux maps et les deux maps sur lesquelles j'avais joué, je les connaissais puisque j'ai pas mal joué. Lui, il est passé. J'ai pas mal joué à Call of sur PlayStation. Donc, je suis vraiment content de le retrouver. Voyez, bim, je mets mon curseur dessus. Ça tire tout seul là. Peu de munitions déjà. J'ai dû bien le blesser. Il a dû prendre cher. Hop là, 50, c'est pas moi qui l'ai eu. Bon, allez, on rush un petit peu parce que sinon on va s'endormir. Fire hole. Allez, on y va. Vas-y, 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 vas-y. Hop, vas-y, toi, c'est. Oh là 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 là. Et ça commence super mal. J'avais fait les deux parties précédentes, j'avais fait des scores de dingue. J'étais MVP parce qu'on peut être MVP. Lui, il s'expose trop, il va prendre des balles. Allez, on y va. Est-ce que je peux passer par-dessus si j'avance? Non, je ne passe pas par-dessus si j'avance. Allez, on va avancer, on va se positionner. Hop, allez, allez. Alors, je vais peut-être changer de mode et passer en mode expert maintenant que j'ai fait quelques parties. Parce que ça m'agace que quand le joueur est dans le viseur, vous voyez que si sa tête dépasse, qu'il ne le tire pas dessus vraiment.
Il y a un problème de connexion ou quoi? Là, j'ai l'impression qu'il y avait un petit problème de latence entre le joueur qu'on attendait et celui-là. Mais pourtant, non. Allez, 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 allez. Et vous savez quoi? C'est le moment de jeter une grenade. Parce qu'ils sont tous, bien regroupés là. Allez, balance. Hop là, c'est pour moi celle-là. C'est pour la famille. Hop là, voilà, au suivant. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, on les voit bien là. Hein. Hop. Et c'est super bien fait. Moi, je le trouve super maniable. C'est vraiment un jeu de... Il est vraiment super bien fait. Hein. Là, ils ont vraiment fait un jeu de dingue, Activision. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas testé un FPS de ce niveau sur mobile. Bim, j'ai dû prendre un coup de snipe. Là, je peux faire une frappe aérienne. J'ai en bas, tout un tas de frappes. Et là, vous voyez, je peux faire une frappe aérienne. On va vraiment... Allez, vas-y, vas-y. Bim, j'en ai eu que deux. Dommage. On va en plus utiliser une explosion. Et je vais utiliser ce drone-là. Je pense que si je le jette là, je dois pouvoir le jeter. Il doit bien retomber, à mon avis. Oh non, j'ai raté. Dommage. J'aurais dû attendre d'être plus près. Dommage, 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 dommage. J'aurais dû mieux jouer, là. Mais il y a quand même du niveau en face. Hein. Les mecs, ils rigolent pas. Par rapport aux autres parties que j'ai fait avant, ils sont quand même meilleurs. C'est peut-être parce que je monte en niveau. Donc, je monte forcément en gamme. Après, c'est pas des oufs non plus. Hein. On voit bien que... Donc ouais, je disais, j'ai testé pas mal de FPS hein, sur mobile. Et pour le moment, c'est le meilleur auquel j'ai joué. Hein, sans comparaison possible, largement. Je le trouve vraiment très très bien fait et très très maniable. Ce mode simple qui tire, ou le mode d'avoir... Dans le didacticiel, il vous apprend à vous servir des deux modes. Je trouve que c'est une très bonne idée. Les autres FPS que je faisais, dans les didacticiels qu'ils faisaient, il n'y avait pas ce genre de choses. On pouvait pas, on n'avait pas le test des différents modes de jeu. Fallait les tester. On pouvait être informé, mais on n'avait pas le plaisir de pouvoir avoir une explication sur les différents modes. Là, lui, il essaye de nous faire en l'envers, mais on l'a vu passer 1000 fois. Donc ça marchera pas. Je vais leur faire une petite frappe, ça va leur faire plaisir. Oh là là, toi, je sais pas comment tu t'es... Oh là là, je sais pas comment t'as fait pour te retrouver derrière nous, mais franchement, bien joué à toi. Bien, bien joué, t'as assuré. T'as assuré. Toi, tu vas m'avoir, hein. Tu vas m'avoir, malheureusement. Non, tu t'es barré. T'as bien fait. T'as bien fait de te barrer. Victoire. Ah, j'ai pas eu le temps de faire la frappe. 57, on a bien gagné. J'espère que je suis MVP. La maniabilité est dingue. Et lui, avec son snipe, il a fait un carnage de ouf. Allez, vas-y. On a la killcam comme d'habitude. Et franchement, propre de chez propre. Je vous invite vraiment à le tester. Il est énorme. Il est énorme. Moi, j'apprécie grave de jouer à ce jeu. De toute façon, j'ai toujours aimé les FPS. Hein. Et je suis pas MVP, je suis deuxième. 2180, 2280 lui, bien joué à lui, écoutez. Avec son petit snipe, niveau supérieur, on passe du 4 au 5. On acquiert de quoi améliorer encore mon équipement. Ah ben j'y retourne direct, hein. J'irai l'améliorer plus tard, hein. On est chaud, on est reparti, on y retourne. Niveau 10 en face, ça commence à prendre du niveau. On est sur... je l'ai fait, la première map sur laquelle j'ai joué en arrivant, c'était celle-là, mais j'étais de l'autre côté. J'étais de l'autre côté, donc là, on va se placer là. Je préfère l'autre côté d'ailleurs. Ok. Donc, je suis parti, mais j'étais pas parti en vrai. Faux départ. Alors là, c'est un petit bug, c'est dommage. À mon avis, je vais attendre d'autres joueurs. Je vais partir sur le côté gauche pour le coup là. Je n'aime pas ce côté droit et je préfère même être dans l'autre maison. Je la trouve plus agréable. Vous voyez, on peut parler, hein. Il y a un micro et on peut direct être en vocal. Le système de vocal est bien évidemment intégré comme on le voit maintenant sur tous les jeux de ce type là. Voilà. Hop, toi, c'est fini. Toi, j'ai vu ton copain là qui est là. Toi, viens, 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 viens. Le fait de pouvoir tirer en mode expert fait qu'on peut viser à travers les murs, ce qu'on ne peut pas faire là, puisque là, il tire que quand on voit la cible. Donc, peut-être qu'il y a un système, hein, mais je ne l'ai pas encore vu s'il y en a un. À mon avis, ils sont pas futus, ils vont essayer de revenir par là. Je les vois bien faire ça. Après, je me trompe peut-être. Hein. On va se manger une embuscade de ouf. Mais pour le moment... Ouais, non, ils reviennent pas. Hein. Ils ont pas envie. Hein. Ok, 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 ils reviennent par là. Sympa. Vas-y, viens. Viens, 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 viens. Super, merci. Hop là, on se remet, on est bien. Vas-y, revenez, revenez. Reviens là, reviens là. Je te vois bien tenter de refaire ça là. Oh punaise! J'ai mal joué. Dommage pour moi. Allez, vas-y. Toi, tu crois que tu vas passer, mais tu m'auras une fois, mais pas deux. Voilà, ça c'est fait. On s'accroupit pour plus de stabilité.
Hop là, vas-y. Toi, tu vas vouloir revenir et faire le délinquant parce que tu penses que tu m'as eu une fois, mais c'est ton pote qui m'a eu, c'est pas toi. Oh là là, j'ai eu un mec là, ça me fait pas plaisir. Vas-y, 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 vas-y. Je me remets là. J'aime bien ce petit coin là, ce petit coin de campeur là. De gros campeur, mais bien. Parce que cette map est vraiment petite et c'est difficile d'être vraiment mobile et d'être performant en étant mobile hein, sur cette map. Hein. Et c'est possible, bien évidemment, quand on est en mode rush, mais là, n'oubliez pas qu'on est sur tablette, la mobilité est quand même réduite. Donc, écoutez, hop là, une petite explosion. Hop, la mobilité est très réduite. Ça, c'est un mec de chez moi, ce qui veut dire qu'ils doivent tous être dans le coin là. Ok, ils sont effectivement là. Ok, toi, c'est réglé. Ils vont arriver par derrière. À mon avis, ils vont me la faire à l'ombre. Oh là là, ah, il m'a tué. Je savais pas où il était. Il était au snipe. Bien joué à lui. Toi, qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi, petit coquin? Vas-y, reviens, 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 reviens. Vas-y, reviens, 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 reviens. Viens nous voir. Viens par là. Viens voir papa. Non, il veut pas revenir. Il va peut-être arriver par en bas. Il va me tuer. Il a compris qu'en haut, c'était la mort. Ah non, il est là. Ok. Ok, super. J'espère que c'était lui. Si ce n'était pas lui, il y aura peut-être un pote à lui. Là, voilà. Ok, donc toi, c'est fait. Vas-y, toi, tu vas venir. Non, à mon avis. Oh là là là, ça, c'est chaud pour moi. Le snipe, 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 le snipe. J'ai trop mal joué, là. J'ai trop mal géré. J'aurais pu le tuer 10 fois. Allez, reviens, ce petit sniper. J'ai tiré les jambes, c'est super, c'est trop bien visé là. C'est du grand art. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Faut bien l'avouer, voilà. Bon, là, on a un peu plus géré, c'est déjà ça. Et je suis super exposé en fait quand je suis là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va jouer comme ça, on va la tenter de rester là, voilà. Fou, lolo, lui il sortait de nulle part. Allez, on va avancer avec sa team. Ok. Ok, allez, on recharge, on prend le risque. Ok, le snipe il a pris cher. Ok, toi aussi t'as pris cher. Allez, on recharge et on y retourne. Hop, 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 hop. Hop là. Ça pop. Hop là, c'est chaud hein. Passe plus. Petit, 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 petit. Il est passé, malheureusement. Il est passé. Ils sont où les mecs là? Ok. Là, je prends un risque de dingue, mais c'est pas grave. Allez. Hop là, et 2-2. J'ai plus de balles. Allez, on y va au couteau. Au couteau Noken. Hop, allez, allez, il m'a pas vu. J'ai ramassé un snipe, mais j'en veux pas. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Hop là, toi, c'est réglé. Vas-y, 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 vas-y. Oh, dommage! Dommage, dommage, dommage. Allez, on est reparti. On est reparti. On relance ça. En général, quand on jette là, ça tombe plutôt bien. J'aurais peut-être pu être. Voilà, j'en ai tué un. Oh non, j'ai tué personne. Ah si, quand même. Toi, tu fais le ouf, hein. T'as pas vu qu'il y avait des mecs là-bas. Hop là. Ouh, c'est moi qui fais le ouf. Couvre-moi, couvre-moi. Là, j'ai pris cher. C'est bon. Hop là. Allez, on est reparti. On est reparti chez eux. On est à combien là en score? Allez. Allez. Là, si je suis pas MVP là, c'est qu'il y a vraiment du lourd dans la team. Hein. Boum! Allez. Série de points actives. J'ai le problème, c'est que j'ai des tout petits chargeurs en moi. Je vois bien essayer de faire le tour, le petit malin là. Ah, oh, et c'est ça, punaise. Je le dis et je fais pas attention. Victoire. Bon.
Est-ce qu'on est MVP? J'ai pas la kill cam évidemment. Oh, s'il a dû faire un double frag là. Joli, joli et propre. Ouais, très très propre. Un beau score final. Enfin, une bonne kill cam finale, pardon. Alors, qui est le MVP de la partie? Est-ce qu'on est au max? Est-ce qu'on ne l'est pas? Très très bon, hein, ce jeu, franchement, il est énorme. Voilà, 2630, MVP numéro 1, super. On a gagné. Bon, bah écoutez, je pense que vous l'aurez vu comme moi, ce jeu, il est énorme. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez le télécharger. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a dans le menu. Non, je ne veux pas partager, hein, y a pas de problème. Je ne vais pas relancer et je vais aller vous montrer. Vous voyez, on a des points d'exclamation. Je vois ce que je débloque grâce aux séries de points que j'ai fait. Donc, je peux avoir un largage aérien, missile prédateur que j'ai déjà. Je peux équiper ça. Mais pour l'équiper, il faut que ça remplace quelque chose. Donc, on va remplacer ce petit missile-là. Ensuite, au niveau des équipements, vous voyez, je peux rajouter des items sur mon arme. Là, je ne l'ai pas débloqué, j'ai que celle-là. Donc, on va l'améliorer. Et par exemple, je peux acheter la vite. Moi, non, je peux acheter quoi? Je peux acheter que ça, j'ai rien d'autre là. Augmente la capacité de chargeur. Mais ça, mais évidemment, il me le faut. Évidemment, il me le faut. Comment je fais pour l'acquérir? Alors, attendez. Je l'ai débloqué. Non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, en fait. J'ai pas besoin de. Je l'ai déjà. Bon, c'est cool. Ok, donc si je l'ai déjà, comment je fais pour l'équiper ici? Bah, je dois. Ah, bah voilà, je clique sur le plus et j'y vais et je prends un chargeur étendu. Équipe-le, vas-y, on est bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Une poignée pour la stabilité, augmente la vitesse de visée, recul réduit quand on utilise le viseur. Bah, on va l'équiper aussi, c'est parfait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une crosse augmente la vitesse de déplacement lorsque vous visez. Ça peut être pas mal de le mettre ici. On va partir là-dessus. Bon, ben voilà. Mon arme, elle est full. Là, on est bien. Allez, on va les tester maintenant qu'on a fait ça. On va aller voir une petite dernière pour la route. Voir ce que ça vaut. Allez, est-ce qu'on va se refaire MVP? On est de 5 à 9. Je suis niveau 6. J'ai pas eu le temps de voir les gens quel était leur niveau en face. Et on est reparti une nouvelle fois. Je sélectionne bien évidemment mon équipement de prédilection, le numéro 1. Faut dire, pour le moment, j'ai pas beaucoup de choix, c'est soit un sniper, soit un M4, mais je vous le rappelle, c'est que ma cinquième partie, puisque j'en ai fait deux hors vidéo pour tester, pour lancer le jeu avec le tuto, et maintenant celle-là. Cette map-là, elle me parle. J'ai l'impression que de toute façon, c'est toutes les maps qu'on retrouve sur les Call of, sur les différents supports. Ouais, cette map-là, elle me dit quelque chose. Elle me dit grandement quelque chose. Il faut que j'arrête de zoomer comme ça, comme un idiot, parce que je vais clairement me faire latter si je fais ça. Ok, j'ai vu. Ennemi. Hop là, toi, c'est fait. C'est réglé. Hop là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent passer par là ou c'est bon? Ça a l'air d'être bon. Allez, on y va. On va voir. On part avec mon escouade. Tic, 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 tic. Ah, cette map, elle est moins open. Allez! Bon, écoute, on va passer au couteau parce que j'ai l'impression que t'as envie de te faire trancher, toi. Voilà, c'est bon, tu te prends ça. Voilà, c'est ce que t'avais envie. Donc, on l'a fait, tu le voulais, on l'a fait. Allez, on repasse. Il suffit d'appuyer sur l'icône hein, pour switcher d'équipement. Tout simplement. Ok, toi, on s'occupe de toi. Toi aussi, on va s'occuper de toi tout de suite. Bouge pas, voilà. Toi, je m'occupe de toi, voilà. Donc ça, pour le moment, on est bien, hein, on est tranquille. Il y a un mec derrière là-bas, je sais pas comment il est rentré chez eux, mais il est très bien placé. Hein. Je sais pas comment il s'est fait latter, le mec de chez moi, là. Mais ça inspire pas confiance, j'ai pas envie de sortir quand je vois ça. Hein. Tac, tac. Allez, hop, on va quand même avancer parce que c'est pas le tout. Il y a du point à faire, il y a du point à faire, il y a du point... Je suis en train de me faire... Je suis en zone découverte comme un abruti. C'est pas ce que je faisais là, mais ça doit canarder de quelque part. J'ai pas encore trouvé où. Je vais m'accroupir. Je vais recharger pendant que c'est un peu calme là. Bon, sur la map, on voit pas grand chose là. La map, j'aurais aimé qu'elle soit plus grande et un peu transparente. Du coup, si elle avait fait plus grande. Mais c'est pas grave. Ok, les mecs sont là-bas. Ok, allez. Allez, allez, allez. Oh, toi, c'est fait. Vas-y, toi, t'as vu ton pote tomber et tu te dis pas je vais bouger. Non, tu te dis je suis bien là.
T'es un inconscient. Et toi là, tu crois que t'es caché? Moi je te vois. Parfois on regrette de pas avoir le sniper là. On aura le sniper, on fera un carnage. Et bim, un HS un peu chanceux, mais un HS quand même. Hop, toi tu crois que tu vas m'avoir, mais tu m'auras pas. Regarde, je t'affale à l'envers, mais pour moi, c'est trop beau ça. Et j'espère. Ah, là j'ai vidé un chargeur. Si je l'avais pas eu, j'aurais été triste. J'aurais eu la honte surtout, parce que vider un chargeur sur un mec et pas l'avoir, c'est un peu la loose. Enfin, ça lag de dingue. Et c'est clairement pas ma connexion. Donc clairement là, on va jeter ça. Vas-y, jette ça. Voilà. C'est réglé. C'est pour eux. Hop là. Là, ça laguait de ouf sur le serveur. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça m'inspire pas. C'est un mec qui est en train de ramper. Il buguait de ouf le mec là en vrai. Hein. Il rampait et il tirait. C'était tellement beau. Tellement beau comme bug. Si c'était pas un bug, moi je sais pas comment il faisait pour avoir cette position, mais. Boum! Je sais pas ce que j'ai pris. Ah, une grenade. Eh, bien joué. Il l'a super bien jeté. Caisse de ravitaillement. Vas-y, envoie la caisse là. Vas-y, envoie la caisse là. Envoie la caisse. Ouais, je la laisserai pour ceux qui la veulent. Bon, j'allais dire, je vais pas attendre, mais si, vas-y. Hop, j'ouvre la caisse. Qu'est-ce que j'ai dedans? Oh, une petite frappe comme ça, c'est propre ça. Voilà, un petit support aérien. Toi, t'es à moi. Toi aussi, t'es à moi. Voilà. Toi, je t'ai vu, hein. Vas-y, vas-y. Viens, petit. Viens. C'est pas lui qui est mort, hein. Lui, il a assuré, hein. Il s'est bien caché, hein. Ok. Grosse assistance, mais au final, c'est pas moi qui l'ai eu. Ok, lui, je l'ai eu. Lui, je l'ai eu aussi, bien. Ce qu'on va faire, on va leur lancer un petit drone à mes potes, là. Juste pas assez les grenades, pas assez les petites armes de combat, là. Allez, on va le jeter par là. De toute façon, il y en a un qui va le prendre. C'est vu d'avance. Lui, direct, c'était écrit. Oh là 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 là. Une bonne série, là. Hop là, on va remettre un petit coup de drone. Allez, un petit coup de support aérien aussi. Hop là. Bon, ça croupit. Vas-y. Là, je sens un peu le danger. Je vois des tirs, je sais pas d'où il... Ah, dans mon dos. Je l'ai vu sur la map, lui, hein. Pour ceux qui se demandent comment j'ai vu qu'il y avait un mec dans mon dos. J'ai levé les yeux 5 secondes pour regarder la map, parce que je ne faisais pas depuis tout à l'heure. Oh là là, un coup de snipe à bout portant. Là, c'est sûr, je vais pas faire grand chose. Je ne vais pas faire grand chose. Allez, on rappelle la caisse. Tac, voilà. Ça, je vais la laisser. En attendant, je vais aller frag. Vas-y. Là. Viens, essaye de venir nous tuer, toi. Sois un peu. Allez, un peu envie de challenge. Voilà. Et toi aussi. Vas-y. Et voilà. Oh là là, toi t'es un délinquant. Tu joues bien, toi, hein. J'ai eu de la chance pour lui, hein, parce qu'il... Je sais pas d'où il sortait de nulle part, un peu. Écoute, toi, on va... Voilà, on va passer à la grenade. Hop là. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'a tué? Ah, un... Petite attaque de drone là, le drone il m'a défoncé. Vas-y, je vais aller récupérer ça. C'est pas un drone, c'est une sorte de. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, l'avion téléguidé là. Voilà, je te fais la même pour la peine. Et j'en ai. Voilà, j'en ai tué deux, mais je suis mort. Hein. Je suis mort, hein. Ils m'ont eu. Hein. J'ai voulu trop me mettre à découvert là, c'était n'importe quoi ce que j'ai fait. J'y retourne de ce côté parce que c'est quand même de ce côté là que ça se passe. Hein. On a beau dire, c'est là que l'action est. Ouh, je sais pas si c'est moi qui l'ai eu. Je crois pas parce que j'allais cliquer sur viseur. Là, j'étais un peu loin. Ah si, c'est moi qui ai eu la kill cam. J'ai eu de la chance sur le coup. C'est pour ça qu'il m'a fait sauter mon viseur d'ailleurs. D'accord. J'ai pas compris pourquoi il y a eu cette latence et ces quelques secondes. Bon, ouais, c'est clairement un jeu de dingue. Hein. Là, moi, je kiffe de ouf.
Il est vraiment bien puissant. Il faut vraiment que je rejoigne une team là et que je joue en team parce qu'on est vraiment sur un jeu d'une très très grande qualité. Là, il y a rien à dire. 2750, c'est mon record en termes de points. MVP, j'aurais aimé le voir avoir le nombre de frags, mais on le voit pas, c'est dommage. C'est dommage, niveau supérieur. Est-ce que j'ai gagné un parachute? Non, il n'y a pas mon nombre de frags, il n'y a pas mon nombre de kills. Il y a juste mes points d'élimination, temps, victoire. Ok, super. Bon bah voilà, écoutez, moi j'espère que ce jeu et cette petite vidéo vous aura plu comme moi elle m'a plu parce que c'est un jeu de dingue, je vous invite vraiment à y jouer. N'hésitez pas à me rajouter en ami dans le jeu, vous avez mon ID, hein, Patatou Gaming, il n'y a pas de souci, vous le voyez en vert là à l'écran. N'hésitez pas à m'ajouter, c'est avec grand plaisir que je jouerai avec vous tous. On peut même monter une team ou si vous en avez une, n'hésitez pas à m'inviter tant que je n'en ai pas. Écoutez, en tout cas, c'était pour moi un jeu de dingue et c'est un jeu de dingue. Donc vraiment, allez le télécharger si vous ne l'avez pas et essayez-le si vous aimez les FPS. Vous allez vraiment être agréablement surpris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un bon Call of, beaucoup de frags et je vous dis à plus.